Merci. Courage. L'homme, c'est pas le physique. Non. L'homme, c'est le mental. Hakili de nous. Merci. Amanda Rofio. Galéa Fonfeira, Straina, au Betunia Sarao Dode. La ligne, c'est pas dire comment. Tout à fait. Vive l'Afrique. Délégation comme bon pour Mabokana Moufou. Allez, beaucoup de Nakajama. Merci à la délégation niveau national qui sont venus spécialement pour les accueillir à Kai. Merci à la beaucoup. Monsieur le maire, vous voulez à Ka Jamal Moussibla. Monsieur Marico. Monsieur Marico. Voilà, ok. Ils vont s'installer d'abord après. Donnez l'air de l'eau. Nene Farafinae, Djamoute, Siate, Lagnini Nedo, Kele. Merci à vous, panafricanisme. Vraiment. Merci aux voisins nouvelles d'être solidaires. Saisis-moi, donc, mesdames et messieurs, voilà, on va utiliser parce que vous serez là. Voilà, il y a des keramines dans la tarif ou comme là. Voilà, la caméraman, accroupissez-vous, on sait que c'est pas facile. Voilà, les caméramans, voilà. Comme les tissus. Voilà, Jérémien Dieu. On sait que c'est pas facile pour les dames. Voilà, l'immoïra tachal frontière, l'immoïra tachal digente entre les peuples. Et l'immoïra tachal digente entre les peuples. Et l'immoïra tachal digente entre les peuples. Yalla, defal nan nous go. On y excellent tijamu. Dougou si gen, dougou gen Sénégal. Dougou gen Mali tijamu. S'il vous plaît, vraiment, ceux qui sont au milieu, veuillez vous asseoir. Nous avons la communauté sénégalaise avec nous, ils sont là. Moro flamme nous est ta madame na uno fait diboli ko kawuli kay ga kuye. Les deux personnes qui ont commencé la marche avec eux à diboli. Monsieur Sissoko. C'est ça. Merci. On merci était à vous. Merci bien. Merci bien. Ablaye. Voilà. Le maire, merci. Monsieur le maire, Kennedy Bolo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers parents, au nom de la population kaïsienne et au nom des responsables politiques, administratifs et judiciaires de la ville de Kaï, et au nom du conseil communal de Kaï, au nom de la population laborieuse de Kaï, nous vous souhaitons la bienvenue. Et c'est pour vous dire que le Mali et le Sénégal, c'est deux poumons dans un cœur. Et encore, si on dit un poumon, les deux poumons respirent ensemble. Et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans la porte des rails. Aou Bismillah, que Dieu vous en garde et que vive le Mali,
vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci, monsieur Mariko. Sénégal ni Mali a bé disukun kele ni hakina kele onde do. Merci, c'est le même pays. Dans les présidents de la société civile. Mamadou Koulibaly. Chers frères sénégalais, chers frères maliens, nous célébrons ce soir l'intégration africaine. Monsieur le maire vient de le dire, le Sénégal et le Mali, c'est les deux poumons d'un même corps, d'un même cœur. L'intégration, ce n'est pas des vains mots. L'intégration, c'est dans les actes. Et vous venez de prouver que Sénégalais et Maliens sont des frères. Un Diarra du Mali, c'est un Diaye au Sénégal. Un Koulibaly du Mali, c'est un Fall au Sénégal. Un Traoré au Mali, c'est un Diop au Sénégal. Kay, c'est la ville sénégalaise du Mali. Vous avez quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne tout au long de votre parcours couronné de succès et de santé. Vive l'intégration, vive l'Union africaine, vive la solidarité sénégalo-malienne. Je vous remercie. Bien, merci Didier. Pour nous, nous parlons de Nyongaku, Bissimila, Kaibetola, aux délégations que les Fana Bora Bumarukana, Kaika ou Kadana Takada, Mamika, Dakunia Damadama, Adama Sangare. Après, délégation Bora Bumarukana, Oloubukala Selike. Adama Sangare. Quelqu'un en est clé. Mettez le cap de quelqu'un en est clé. Un couleur. Assimi. Goïta. Assimi. 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 Goma Odoya. Angela Kanyera ma fils Riwale. Ambe Foligla. Katalimbla. Anga Maranyamay. Non Borain. Amanga Monsieur le maire Fou. Nos borains, Ambanga, président de la société civile faux, nos borains, Tonyamo FVP, Anga Folie, Anga Tanumba, Bela Dile, nos borains, Ambalma Mumbora Bamako, Nikana Tles Avatlena Nikamboya, Anga Folie Bouye, Amboutanou, Marcel Moumieni, Boloda, Demiserundo, Ninebato Kafo Fasujo, avec Dame Nidoga Hakinade, mais deux de bas la banque à son icité. Alayake, Amafo Mourimo Keita, Aleyem Malita, A Dusukuna Miriala, Amaseka Laba, Bidia et Big Frasina Bebo Kulela comme Mali, Ala Nano di Cheba Mouma, Ode Asimi Goitae, Aete Grefanku. Ante que Moka Grapo et Mima Filisante Kanyere, Nimba et Kuno, Ambe Ibefo, Commission Nationale d'Organisation Taki, Depuis où y'a Nimba et Boloda, Fukana bla bila politique côté ou te moga barala ou te moga chila ou be faso kode la noye malie noye afrikie noye dabe zelesie donc kay zelesie tola anit mali zelesie tola ko pou fo ko wala ni mondo nte se ka bokuma la ya na ma mali ki ban fo ka docteur sangare fo anou ye nike ala di bado comment le voilà comme ça va du sévère ana pour le souper pour faut pour voir le mando ana zéresi ni la tout mené pour le cas faut quand voir le mando à que tout boca salut la merci bien merci DJ alors moi il avait faut para men kera kera faso de donc c'est ça en bé bonya la sigala beaucoup na ka jamama alay beaucoup. Donc, on a encore la silique. D'accord.
Kai Kau Aouniwula. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Colonel, bonsoir. Et tous les sous-préfets, et aussi ceux qui sont chargés de la sécurité, je vous salue. Je vais intervenir en français au nom de tout le peuple malien. Vous vous rappelez que le 14, nous avons fait une sortie historique. Nous avons fait une sortie historique pour montrer au monde entier que le peuple malien est en communion avec ses autorités. Aucun paradigme qui ne tienne compte de cela ne peut prévaloir. Malien ko kulu nulu kamara bagaw noye colonel Assimi militaire CNSP ani colonel to munbe yoro beula ani unuka gouvernement noye premier ministre togel ko kala mayga naka gouvernement malien ko ku beta ke bakele unuka autorité mo tu fara ka bonyo na tumi A fora kuma kana janya parce que bala minkera odeka tcha. Les chers africains du Mali, le peuple malien depuis Diboli avec ses autorités depuis Diboli, quand le sous-préfet Maïga au nom de l'État malien vous a remis le drapeau malien que vous venez de remettre à l'excellence, à son excellence monsieur le gouverneur, il vous a dit une chose, vous êtes rentré en terre africaine du Mali, votre terre. Les autorités sénégalaises qui ont écouté le cri de cœur des Maliens, car ces braves marcheurs n'ont pas brandi seulement, n'ont pas seulement fait face à la douleur de la marche, mais ils ont fait face à la douleur du refus de faire aboutir ce qu'ils veulent. Parce que les autorités sénégalaises ont tout fait pour qu'ils ne traversent pas la frontière. Ils ont forcé avec le peuple de Kidira et le peuple du Mali de Diboli. Il faut les remercier d'avoir, j'espère, je lance un cri à partir de Kay. Monsieur le gouverneur, je voudrais que le peuple malien décrète ici, comme on a décrété le 14, qu'on n'est plus en transition simple, mais en transition de refondation. Donc personne ne peut nous imposer un délai. Je voudrais ici solennellement demander au nom du peuple de Kay, quelqu'un, un peu cadre, payer la faute, en la nini, en autorité fait, qu'il donne des passeports à tous les marcheurs, le passeport malien. Je vais vous dire une chose. Ninkoïma réussi parce qu'il y a un jeune. Moi, je reconnais toujours les valeurs. Il est très jeune, mais il a son actif 4 livres. Donc c'est un écrivain qui a l'habitude de marcher au nom de l'esprit de l'anthropologue africain Cheikh Antagab. Il s'appelle Ibrahim Adab Yeboué. Je voudrais qu'il se lève et qu'on le salue solennellement. Très fort. Merci, merci. Il est avec les marcheurs. Ce jeune a... Merci. Merci beaucoup. Ibe, merci. Ibrahim Adab Yeboué. Merci Ibe, vous avez la question, mes amis. Donc, c'est lui qui est à la base de beaucoup de choses. Et je profite pour remercier nos hautes autorités. Le président Assimi Goïta qui a demandé qu'au marcheur, partout où il passe, qu'il fasse un seul et unique discours. C'est lequel désormais, en la Digitou, en la autorité locale, sous-préfet, préfet, maire, Ayaké, Alakama, Angoumpoña, Angara Foybona, Katamounga. Anga nous revenons. Wallahi cabinet en arrêt de Dibolea ici. En couillet fin farafara n'yon gant kambé de Melike. Nga nounou yen mouni bo en Sénat. Où j'aurai n'a payé. Monsieur le gouverneur, me profite pour remercier sous vos sous-préfets et vous personnellement et votre chef de sécurité. Monsieur Marie. Donc, pour que Kouma Kana Djanya, Mba Nini Kau Kau Befe, Aouka de Nounou Nana Minas pour l'unité africaine. Cette marche, son nom, c'est la marche panafricaine. Je le signalerai comme une courma au niveau Keïta
et Kadhafi, Sankara, et aujourd'hui, Assimi Goïta et Tchokiel Kogala Maïga qui font l'histoire. Voilà la raison de la marche. Je quitte la parole et je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Alain. C'est ça. Merci. Ça, c'est l'Afrique en marche. C'est ça. Merci beaucoup. Les deuxièmes intervenants du Commission nationale d'accueil. Alain Bokoum. Je crois. Mon environnement, même. Le deuxième intervenant. Le deuxième. Anne. Ibé. 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 Ibrahima Adjawakoué. Le nom-là n'est pas facile à prononcer. Malgré cette difficulté, il a marché de Dakar à Kay. Merci, Ibé. Merci pour vous. Le micro baladeur, merci. Excellence, monsieur le maire de la région de Kay. Monsieur le maire de la commune urbaine de Kay. Autorité traditionnelle, coutumière, religieuse. Monsieur le coordinateur national de la marche panafricaine Dakar-Bamako, l'intrépide, l'extraordinaire, l'inqualifiable Alaï Bokoum. Bravo! Mesdames et messieurs les membres du comité national d'accueil, mesdames et messieurs les préfets, je m'excuse pour le protocole. Mesdames et messieurs les membres du comité national d'accueil régional, chers amis marcheurs et le très grand leader Diouf Kéman, mesdames et messieurs, tout protocole observé, assalamu alaikum. Il y a de cela 60 ans, un jeune intellectuel africain présentait sa thèse de doctorat en sciences sociales. Tous les docteurs dans la salle disaient, nous ne sommes pas d'accord avec toi, monsieur Diop, mais nous acceptons que vous méritez la mention honorable. Si, 50 ans plus tard, des jeunes ont décidé, sous le leadership de l'infatigable Diouf Kéman, d'initier chaque année de Dakar à Tchétou la marche internationale Dakar-Tchétou pour remémorer la pensée, la philosophie, la conduite du plus grand homme du XXe siècle, j'ai nommé Cheikh Anta Diop. Vous savez, cette marche, on ne la doit à personne. On ne la doit qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est notre professeur, Cheikh Anta Diop. C'est l'esprit de Cheikh Anta Diop qui a conduit cette marche. Mais il y a un élément que je dois souligner, peut-être deux. Il faut des idées, mais il faut aussi ceux qui mettent en œuvre les idées. Sans la pratique, la théorie n'a aucune valeur. Nous avons attendu depuis 68. L'Afrique a cru que le Mali a oublié son serment, celui de faire de l'Afrique, le point de départ de l'unité africaine. Nous l'avons tous appris, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique, pour toi, Mali. Et pendant toutes ces années, on a cru que l'idéal panafricain était mort, et que c'était fini pour l'Afrique, et que c'était fini pour le changement auquel les peuples aspirent. Ils ont tué Thomas Sankara, ils ont tué Kadhafi, mais le jour qu'ils vont oser toucher Assimi Goïta, ça sera leur fin. Ça sera leur fin. Ça sera la fin. Et le monde changera éternellement à partir de ce jour. Mais
ne vous hasardez pas, ne vous hasardez pas à tous les ennemis du Mali, dans l'ombre comme sous le soleil, ne touchez pas à Shogun. Ne touchez pas à Shogun. Le Mali est sur la bonne voie. Le peuple malien, à travers les assises nationales de la Refondation, on dit oui. 8 pour 6 à 5 ans. Et qui peut être contre la volonté du peuple? Personne. Personne. Laissez-nous faire notre Mali. Laissez-nous refonder notre Mali. Nos priorités, c'est la sécurité. Nos priorités, c'est le développement. Nos priorités, c'est la santé. Nos priorités, c'est l'éducation. Nos priorités, c'est l'eau, l'électricité. Nos priorités, c'est que chaque Malien puisse vivre digne dans son pays. Et je vous jure que ces marcheurs-là ont compris que le peuple et ses dirigeants sont en symbiose. Ce n'est pas nous qui leur avons dit « Mettez Assimi Goïta à côté de Shogun ». Non, ils sont là. On ne les a pas dit. Ils l'ont fait tout seul. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'homme fort de l'Afrique, c'est qui? L'homme fort de l'Afrique, c'est qui? Assimi. Et l'homme de l'ombre qui travaille pour que Assimi réussisse, c'est qui? Shogun Kokala Maïga. Applaudissez pour lui. Merci. Merci. Je tiens, avant de sortir de mon discours, tout en m'excusant auprès de monsieur le gouverneur et de toutes les autorités, vous présenter trois personnes qui ont été arrêtées il y a de cela trois jours. On croyait qu'en les arrêtant, en leur prenant leurs bagages, en les menaçant, les intimidant, ils vont abandonner. Mais ils n'ont pas compris la détermination de la jeunesse africaine. Je commence par la lionne de fatigue. Nous avons nous tous maintenant, nous avons le Iran. Khadija Ba. On m'a décroché. Khadija. Khadija. Allez, toi, Khadija Ba. Khadija Ba. Nous sommes fourlés de dos. Attendez, mais au camp. Nous sommes fourlés de dos. Allah Akbar. En quoi ma mounaïbena. Iche, aïe moufo. Aponche, ko ninkele, ne raka kele ta. Intégrez vous. Mon flana, flana. Allez me voir au Mauritanie frontière là. Richard Toll. A quoi ni se ga kené ko? A toi la minya. Amba wole nya. La minjo. Enseignant de lui. Et voilà comment go do ay tere foye. Mon sabana, sabana. Mon sabana ni wulu ga drapota, ni anga drapota, ni a yelama abeku ga drapo e jamana jume. La Guinée. Guinéen bien Alfousseini So. So. Flagramment, Yvonne. Amitié. Mais c'est So. Eh, Yannina Bokma, la mène Yorani Fo, Bamanakana. Billahi Mado Yambouna, Sirainka. Antiseka, Betrofo. Mais Billahi, depuis Dora Mali territoire, car depuis Dora Mali territoire, parce qu'en Tarou, Koumé, Kanou, non fait. Nani Mado de Bika Barake, Chemseni Woro, Chemseni Woro, depuis Barai Damana Fou, vous m'assez Bougasso, vous vous fourlez le ou Bara, le ou Bara, le ou Bara, le ou Kenako, vous savez qu'à Bev Torofo, mais au coup, j'ai télé à la Moroku. Et téléphone, Amitié, merci, Amitié, merci, merci, Daou Karaski, Ali, Tseku Keita, merci. Donc, ngo amboyana mo do ya amboya fo anga leta fo parce que ya amboya fo ka fo antisera ne ka kuma tere ne ni munu me nyoka fo ko ne ka fo ni ne ma fo ne fitri wale ne ba fo we komanda meiga ambi dedi e tigara fo komanda ya meiga amboya re meiga meiga ya amboya fo na ya jamala politiki tere ni mo ni boya ba fo de ante nyina mo frana mu ko e komanda konimba chef BR qui dira Aimi que Beba doit m'assurer à faire autorité au bado. Donc à Bokumala, bébé faut qu'à Bewali Mando. Nan donna mingashila, ou qu'à Yafame. Depuis un sera Kenekono, en donna Mahoma.
D'accord. Ah, Hakili est joint. Mouawara, on est mis fort, si c'est allez, fanaï, beau, jamal. N'amanique vraiment à main. Domu Bora, ou bien à Bos Sénégal, Malia Moutarou, n'a fait ambassade là. Quand vous êtes en train de partir au Mali, vous ne parlez pas la langue locale. Moi, je suis un jeune Malien, je vais me sacrifier, vous suivre. Si on ne le montre pas, nous sommes ingrats. Bob. Allez, Gafo. Amadou Sall, Nangaï Radio. Quand vous êtes en Mali, vous êtes en train de vous faire. Aïe, Adamne, depuis Dakar, Foya, Amadou Sall. Hakili est joyeux. Attendez-moi encore. Amadou Sall, Fleni. Intégré Foya. En tout cas, boya, on ne veut pas boya parce qu'on va dans les mythes. Oh, wow. Attendez-moi encore. Merci. Merci bien. Namé Yafake. Nandona Mahoma Gashilaka, Damne Diboli. Fosraka. Fokaseni, Kenenkon. Hanlaye Kumado Fo. Mima Bendoma. Okaya Fama. Aye, Demsenoudi. Merci. Aoni Chane Baraji. Attendez-moi encore. Salam alaikum. Merci. Voilà, Sarah présentera. Maintenant, Tamakela ou Danaya Dama Kelinga Kakuma Otola. Allez, Mme Kakuma, après. Le porte-parole des marcheurs. Oui. C'est quand? C'est Eliman Khan. Keman. Le nom? Keman. 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 Merci beaucoup. Nous sommes totalement satisfaits. Nous remercions les autorités qui sont ici présentes. Vraiment, nous avons vu un nouveau type d'autorité. Quand nous avons... Je voulais vous regarder en les parlant. C'est pour ça que je m'arrête comme ça. Voilà, donc c'est ça quoi. Non, je sais qu'il y a la presse. Après, je vais me retourner. Je veux les remercier, vraiment. Parce qu'on les a vus être à nos côtés. On les a vus avoir des chaussures poussiéreuses. Ils n'ont pas pensé à nettoyer la poussière, mais ils ont pensé à s'occuper des marcheurs. C'est ça qu'on appelle la priorité. Nous vous remercions fortement. Merci beaucoup. Le Sénégal et le Mali, c'est le même peuple. Nous ne pourrons jamais, jamais dissocier ces deux peuples. Avant, il y avait la Fédération du Mali. Donc nous, notre premier président, ce n'est pas Senghor, mais c'est Modibo Keïta. Modibo Keïta, c'est le premier président du Sénégal. Modibo Keïta, aujourd'hui, a déchiffré le chemin sur lequel est Assimi Goïta. Et comme l'a dit Ibé, nous sommes venus pour soutenir le peuple malien et nous soutenons aussi les autorités de la transition. Parce que chaque pays a le droit de choisir son propre chemin. Nul n'a le droit de dicter à un pays indépendant le chemin à suivre. Aujourd'hui, le Mali a choisi d'être indépendant. Et sur cette voie, ça ne sera pas du tout facile. Raison pour laquelle nous sommes venus soutenir le Mali, apporter notre soutien inconditionnel au peuple malien,
et contre vents et marées, nous sommes ont voulu nous empêcher de venir chez nous. Mais comment on peut empêcher à quelqu'un de rentrer à la maison, notre maison? Ils ne peuvent pas nous empêcher de venir au Mali. Aujourd'hui, nous nous sentons africains. Parce que Cheikh Anta Diop disait, il faut abandonner cette fierté d'être malien. Il faut abandonner cette fierté d'être sénégalais. Il faut abandonner cette fierté d'être guinéen et avoir cette fierté d'être africain. Nous sommes africains. 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 Merci. Et cette marche du panafricanisme symbolise cette unité africaine. Nous remercions tous ces marcheurs aujourd'hui qui sont avec nous. J'aurais pu les présenter un par un et vous saurez que ce sont des gens dignes. Ce sont des personnes qui ont abandonné leur travail. Ce sont des personnes qui ont anticipé leur congé. Ce sont des personnes qui ont demandé des disponibilités pour 40 jours afin de rallier Dakar et Bamako. On peut travailler pour sa famille. On peut travailler pour son bien-être. On a choisi de travailler 40 jours pour l'Afrique. On a choisi de travailler 40 jours pour le Mali. Apporter le soutien au peuple malien. Et pour terminer, je dirais, le Mali de Soundiata Keïta, le Mali de Modibo Keïta vaincra, quel que soit Alpha, en montrant la bonne voie à Kama. Le Mali de Doumbou Fakoli, le Mali de Ali Farka Touré, le Mali de Samori Touré payera le prix qu'il faut pour sa liberté. Le Mali, longtemps appauvri par ses ennemis portant des masques d'habits, aujourd'hui, en une seule voix, dit « ça suffit ». Le Mali, face à la France, dégaine, devient capitaine d'une équipe africaine. L'eau de ta fontaine apaise nos peines. L'honneur coule dans nos veines. Cette lutte ne sera pas vaine. J'accuse la CEDEAO d'être bourreau de nos idéaux. J'accuse la CEDEAO d'être au service des Occidentaux. J'accuse la CEDEAO d'être notre bourreau. Aujourd'hui, le Mali se tient debout sous les coups de la CEDEAO. La patrie ou la mort, si tel est notre sort, nous acceptons. Merci, merci Mali, merci Mali. Sénégal, Mali, Djamana, Kélé. Sénégal, Mali, Djamana, Kélé. Sénégal, Mali, Djamana, Kélé. Sénégal, Mali, Kélé. Merci beaucoup. Merci, Ablaye, lui c'est le vrai Gaïdé. Un guerrier. Lui c'est le vrai Gaïdé. Bakili. Merci. Communauté sénégalaise, quoi, président, nous et Tchamé, Amafo. Monsieur Tcham. Abib Tcham. Abib Tcham. Donc, Yanni Massa, Maranyama Gakunti, Amé Dakounia Fla de Anma, Fonabora Bamakokana, Dakounia Fla, Monsieur Anou. Voilà. Salam alaikum, Kaikao. Message Flamini Boulou. Le message qu'il est fort, Wokana. Emballement sénégalais au Cameroun. En attendant, les autorités administratives ont bel et bien faux pour leur assistance. Autorités coutumières, en a folie baouye, en a douaou, en a blasserali. Autorités religieuses, en a faux, conservé, assimilé, chogel, en a folie béa. À nos amis sénégalais, sachez que vous êtes dans la plus grande ville sénégalaise du Mali, qui est Kaï. Sachez que vous êtes chez vous. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Kemal l'a dit, qu'on y ait famille, ni y ait Sénégal, il t'a sera aux familles, qu'elle est même Malla.
Et Keman et nos camarades sénégalais, je vous dis que moi, je suis l'illustration parfaite de ce que Keman vient de dire. Je m'appelle Abou Anne, je viens du Fouta, précisément du Sénégal, précisément de Pété. Ça c'est le premier message pour nos camarades sénégalais. Le deuxième message c'est pour Kay, c'est pour le Mali, c'est pour toute la population malienne. Nous nous nindi que les binani 1300 et quelques kilomètres couvertama kana Mali kumabo couvertama kana Afrique kumabo. On n'y aurait du mal au Kélala. On a un joy comme quelle autorité nous nous confère. Nos autorités nous sont assimilées. Nos autorités nous sont chauvel kokalam maïgadi. Oyou nindi djabarakola. Oyou nindi fasokola. Oyou nindi Afrique belle. Agne combat de damine à travers le M5 RFP à Bafolibéa. En bela djele de FM RFP dit parce que c'est le combat du peuple. A Mao Befo. En a ketche kelenye ni chef la nous confère. Chogel Kokala Maïga, Anaka président Assimi Goïta. C'est les deux messages que j'avais à donner à la population malienne et à nos camarades sénégalais. Merci, je vous remercie. Bachili, merci, merci Monsieur Anne. Maragne Mavena Kuma. Nous allons recevoir le gouverneur de la région de Kay, le gouverneur de Moussa Soumaré. Moussa Soumaré, Moussa Soumaré, Moussa Soumaré. Merci. Quand vous le voyez ici, vous voyez Assimi. Parce qu'il a été avec Assimi pendant des années au nord pour lutter contre les terroristes. Il a été fait prisonnier et il est libéré. Aujourd'hui, il est là devant chez nous pour libérer le Mali, pour libérer l'Afrique. Merci, mon colonel. Est-ce que l'hymne national est prêt? Didier, si l'hymne national est prêt, mon colonel, avec votre permission. Nous allons enchaîner avec l'hymne du Sénégal. Je crois que ça va être une première fois à Kay, l'hymne du Mali, l'hymne du Sénégal, soit chanté ensemble. Merci. Merci à vous les marcheurs. Merci à l'intégration africaine. Didier. Soleil sur notre espoir, je vous fais revoir ce qui, la foule de l'assemblée.
Mon colonel, vous avez la parole. Sans les gars de Kumala, mais à la barricade à Fodon, à la mienne, bidon Irana, Kassitane Gek, Abouana Keneka. Au coffre, mais Yamaria Yini, un grand macro fait, comme Yamaria Yini, un grand Kumatibou fait. Sabla ou Yanga, la dade. Mais Kuma, mina porte au Kana. Sabla m'a fait un balmao Sénégalicao ou Kakman Famia Kanya Fanamina Mifo. Chère population africaine de Kaï, je voudrais tout d'abord vous remercier sincèrement pour avoir répondu à cet appel, pour avoir répondu à l'invitation de venir accueillir nos frères africains qui aujourd'hui sont en train de montrer le chemin qui avait été déjà tracé il y a de cela plus de 60 ans. Je voudrais tout juste dire une petite anecdote. C'est comme si nous étions à l'école. Depuis 60 ans, nous sommes en train de faire des examens, mais nous ne parvenons pas à réussir. Aujourd'hui encore, l'examen est en vue. Nous sommes en période de révision. Nous sommes en train de réviser nos leçons pour définitivement réussir l'examen. L'examen de l'unité africaine. Chers frères, j'ai juste trois mots à dire. Bienvenue, félicitations, merci. Bienvenue en terre africaine de Kaï. Par votre geste, vous êtes en train de rappeler à ceux-là qui semblent avoir oublié ou bien qui font semblant d'oublier que l'Afrique est unie. L'Afrique, c'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Certains font semblant de l'oublier pour des faits que nous ignorons, mais peut-être que nous devinons. Je voudrais vous féliciter pour l'initiative, vous féliciter pour l'effort, pour la bravoure. Vous avez bravé tous les obstacles, la fatigue, les animaux sauvages dangereux, les intempéries, et vous avez surtout bravé des obstacles la nuit du dimanche au lundi dernier. Je voudrais aussi rappeler que ce sont les mêmes obstacles qui sont sur le chemin de l'Afrique. Depuis 60 ans, que des obstacles à notre unité, à notre union. Mais nous devons nous armer de courage comme ces jeunes-là aujourd'hui. Nous devons nous attendre à franchir des obstacles si nous voulons vraiment réaliser l'unité africaine. Parce que le monde, c'est comme ça aussi. L'unité africaine, ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Ils sont dans leur rôle de nous empêcher de nous unir pour leur bonheur. Quitte à nous de braver ces obstacles pour réussir notre union, pour notre bonheur aussi. Le monde est ainsi fait. Il faut que nous ayons cela en tête, que nous aurons toujours
des obstacles à franchir. Nous avons enduré des problèmes. Vous êtes en train d'endurer des fatigues. Vous êtes en train de braver beaucoup d'obstacles. Ce sont ces obstacles-là qui sont aussi grands au niveau du continent que nous devons franchir aussi. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle continentale, il y a des obstacles aussi que nous devons accepter de franchir pour notre union. L'Afrique, sans l'unité, sans l'union, on restera toujours à la traîne et à la merci des autres. Merci à vous. Merci pour votre soutien à votre pays, le Mali. Merci de votre soutien à vos frères maliens. Vous avez compris que le combat, ce n'est pas pour le Mali, mais c'est pour l'Afrique. Le combat qui se mène en terre africaine du Mali aujourd'hui n'est qu'une bataille de ce combat-là vers l'unité africaine. Le Mali est aujourd'hui un champ de bataille. Mais le théâtre des opérations, comme on le dit, c'est tout le continent africain. Nous devons gagner la bataille du Mali pour réussir la bataille du théâtre africain. Donc merci pour vous-même, merci pour votre soutien. Je ne voudrais pas être long. Je voudrais vous dire que les autres populations d'ici Bamako sont impatientes de vous avoir, de vous accueillir. Vous serez toujours les bienvenus chez vous, au Mali, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque cercle et dans chaque région. Merci au nom de la population de Kay. Merci et on vous souhaite bon vent. Puisse Allah vous bénir, puisse Allah bénir Afrique. Je vous remercie. Juste un mot, c'est l'hospitalité africaine, l'hospitalité caïsienne. Nous avons notre cher papa qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait voulu être là, mais comme à l'accoutumée, a envoyé un bélier pour vous accueillir chez vous au Mali. Il s'agit de Pa Amin Yang, qui vous a offert un bélier en guise de bienvenue chez vous, ici à Cali. Je vous remercie.